Bienvenue ici à la léproserie du Kotaba par cette jeune association venant de la diaspora à l'occasion des festivités marquant la cérémonie des fêtes de Ngwen. Ceci dans le cadre de la remise de dons qui sera exécuté tout à l'heure. Mon bain est un peu filmé, mais je n'ai pas filmé. La délégation de la diaspora. Donc, c'est vrai que nous sommes nombreuses, mais nous voici. Donc, peu qu'il y ait des gens là. C'est ça, parce que d'autres sont arrivés un peu tard ce matin, parce qu'on avait pris des planètes. Il y a d'autres qui sont même encore en route. Ah, okay. Donc, d'autres voulaient même qu'on reporte et qu'on te dit du temps, de l'emploi du temps, c'est du monde qu'on ne pouvait pas. Donc, okay. Dommage, mais bon. J'espère que ça oui, mais ceux qui sont. Parce que ça aurait été mieux qu'ils soient là. Si on a fait ça, on ne sait pas. Oui, c'était plus ça. On avait posé tout par rapport au nombre, donc au nombre de 28, vous savez que c'était 28. On le comprend. Donc c'est du village de Tombouctou. Il y en a qui sont malades. Pas de malades. Vous avez informé cela. Oui, c'est là. Il y a des gens qui sont en supervision. Oui, pas de problème. Ils sont vraiment malades. Bon, les Suisses sont rentrés de l'école hier soir, cette année maintenant. Pour les faire venir maintenant, c'est un peu difficile. Donc voilà comment on peut mettre des quand il y a lui sont tous là. Ils ne sont pas en train de faire les. On fait comme ça, c'est comme ça. On attend. Ah oui, Yeli. Ah justement, je reconnais le chargeur aussi. Je vais vous montrer. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
Et pas mon mari. Il vient. Parfois, j'en ai plus. Ah, il est là. Oui. Comme moi, Centre de santé intégré de la léproserie de Koutaba. À présent, nous allons suivre l'intervention de l'une des personnes dont sa grand-mère est entraînée ici il y a de cela quelques années. Il y a de cela 25 ans. 25 ans, je dis même quelques années. Ok, il y a de cela 25 ans. Et j'ai grandi ici dans cet hôpital avec ma grand-mère. Bon, aujourd'hui, les femmes de la diaspora carnaval, oui. Ça veut dire viennent un peu de l'Europe, de la diaspora en général. Oui. Ils sont venus assister les malades de la léproserie. Quelles peuvent être vos impressions? Oui, je les souhaite les bienvenus ici dans notre localité, Yamadaba, les léproseries. Comme ils ont toujours pensé aux malades qui sont internés ici dans cet hôpital, et ça nous fait du bien. Est-ce que vous avez un souhait à l'endroit de cette femme, de ces femmes de la diaspora? Non, on les souhaite les bienvenus là où ils se cherchent, qu'ils continuent à la grâce de Dieu, de continuer avec toutes les gens qui veulent au profit des autres. C'est difficile de la part des diasporas que nous nous trouvons ici devant nous là, que c'est un peu, on ne sait pas comment les dire, mais on le fait seulement de continuer sur cette lancée parce que dans les normes, c'est un peu difficile de trouver ce genre de comportement. Oui, je leur dis grandement merci, que Dieu le protège. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Aucune idée. Antoine, peux-tu réfléchir que Wamba me filme, Wamba me filme. Tant de rappeler, tant de réfléchir. Tant de réfléchir, Wamba me filme. Rapide, rapide. Allez, deuxième temps, supprimer Kayim. La léproserie de Koutaba est un centre de santé intégré depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est un centre qui reçoit les épreuves venant un peu partout du pays, pas seulement du département, pour dire encore de l'arrondissement de Koutaba. C'est un centre qui a beaucoup, beaucoup accueilli les gens. Pour le cas d'aujourd'hui, la communauté de l'arrondissement de Koutaba, en particulier ceux de Mataba, disent grandement merci
aux femmes de la diaspora carnaval, qui sont les dignes filles du département du Noun. Moi, c'est Madame Kamsu Brigitte, responsable du Centre de santé intégré de la léproserie de Koutaba. Je suis très émue par le geste que les dames de la diaspora sont venues poser dans mon centre par rapport à mes pensionnaires. Comment que Dieu les bénisse et qu'ils augmentent même encore, ils leur donnent encore plus pour que prochainement qu'elles viennent encore les assister parce que ils sont vraiment démunis et ils ont besoin de ça. Quand ils voient les gens venir comme ça, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls et puis vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu les bénisse et qu'elles rentrent dans de bonnes conditions. C'est l'une de malades qui vient d'arriver pour son désabilité. Normalement, elles devaient être là tous, mais elles sont d'arriver une à une. Et je crois qu'avec le temps, le quorum sera à. Le père ne voudrait pas qu'on le touche. Il a voulu tout simplement marcher seul. Nous voyons comment il est en train d'avancer. Son second pied, c'est la chaise dont nous voyons ici devant. Donc, le père n'a qu'un seul pied. Et le second pied, c'est sa chaise. Ok, qui veut dire. Que veut dire COGI? COGI, comité d'éjection de l'hôpital de la Prosérie. Merci beaucoup. La Prosérie de Koutaba, de Mataba. Ok, et présentement, vous avez en face de vous les dents oui. Venant de la diaspora. Oui. Donc, disons, les femmes venant de la diaspora. Ceci, dans le cadre de festivités marquant la fête de Ngwen, ils se sont décidés de passer dans votre centre pour vous tenir main. Quelles peuvent être vos impressions? Bon, mon impression, je peux dire que vraiment, je suis très content, très ému parce que à cette femme-là, je le souhaite d'abord une chaleureuse bienvenue et un bon retour dans leurs unités. Bon, et vraiment, c'est très difficile de venir, de faire des choses comme ça puisque ils sont venus enlever et prouver à ces malades qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Et le soutiennent en tout le moyen, pense à eux. Donc nous sommes très contents et je souhaite que vraiment que tout ce qu'ils nous ont amené, que le bon Dieu. Puisqu'il y a d'autres qui sont encore, qui sont guéris, ils sont partis, leurs enfants l'ont pris et conçu là-bas le maître gardé de là. Quand ils sont déjà un peu, ils ont besoin de soins, nous allons là-bas les chercher. Et quand il y a un rendez-vous, un truc comme ça, nous cherchons la moto, nous allons porter des apports, nous faisons porte à porte pour les prendre, pour qu'ils puissent venir maintenant assister à ce truc. Après, maintenant, on les amène. Merci. Personne
qui doit savoir qu'il y a la lèpre et les handicapés. La lèpre est différente des handicapés. Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent ici qui ne sont pas lépreux. Bon, et quand tu vois la distribution de tuques vient, ils se fâchent parce qu'on n'a pas donné. Non, alors que les tuques sont listés. Par exemple, maintenant, il y a certains. Nous avons ici 29 lépreux bien comptés qui sont déjà au niveau de la sous-préfecture à Bafoussam. Donc, voilà les gens qui ont la lèpre qui existent ici à l'hôpital de la Réposine. Merci beaucoup. De Koutaba. Je voulais dire la sous-préfecture de Koutaba. Bon, Royaume-Uni, pas ma Franchi, pas ma Italie, pas ma Jamaïque, même pas ma Japon, bah on connaît même pas en quoi tu vas t'en goûter maintenant. Donc puis on me puis pierre au gayung et moi irai dans chut. Ni alors me puis bien quand tombe comme forme bien puis quand j'ai mes années, puis yo on fouche, ben joka, il pas mes demeures, mais ben on m'en tient là. Donc, puis pas bien, je suis bien, mais bien, après que toi, il vomit, puis toi, le mouton, bien, je me suis pas bien, bien, bon amour. Puis, mais toi, en temps, mais bien, quand toi, mais que je me suis dit, je suis à Ponterru, par maman, je suis, par moi, je suis, moi, tu es mort, situation bien, mais que toi, je suis à moi. Donc, puis comme je suis, mais bien, comme tu es maï, toi, il y a un autre. Donc, il y a un bon tour, mais toi, bon jour, mais non, non. Donc,
Mbashi mon mon kenge problème grand pour que puis bien quand j'ai enquête alcool donc puis on perd litre alcool. Un jour on para c'est un mol puis bien on perd un gramme. Donc puis bien quand j'ai un peu il me faut un combo. Bravo. Il va que l'onde de Diachi, bon, il va compresse, mon gars, il manque un jour chacun pour le côté. Quand madame de l'histoire, je sais qu'elle dit, je sais qu'elle remène. Bon, il est comme il est potaché, il y a combien que. Non, à manger, mais il y a un zéro, il y a un zéro. Mashi moman tu pour un jour mon nga shi mo ye ke ma toi pas il veut popo yemi non shi mo wede do mende ngwan bon shi mo wede to ye ka bari ba to na bibi den ja ayu ko sha don ah a princesse rabiato e ba yibo magabon mbe bon bienvenue merci Il est pour Claudine, il va y avoir ma Guinée équatoriale. Il est pour Naraïma, il va y avoir ma Angleterre. Avant ma chute Thérèse, il va pour ma Guinée équatoriale. Ah, je trouve Madame de Camp, Annette, il va y avoir ma Frenchie. Ma Suzanne, il va y avoir ma Italie. Vraiment, je suis très émue de vous voir venir nous couvrir comme la mère pour couvrir ses poussins-là. Donc, quand mes pensionnaires vous voient comme ça, ils se sentent vraiment réconfortés. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Par vraiment l'élan de cœur que vous êtes en train de faire à leur rencontre. Bon, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est d'abord vous dire merci et de vous exhorter à revenir plus souvent, nous rendre visite. Quoi que ce soit une fois seulement et vous nous lâchez encore comme ça. Nous comptons vraiment sur vraiment. Je ne sais pas comment vous allez prendre.
procéder au partage pour manger à Kabota, pour l'archer. Allah,
Comment c'est même chose, Fandama, si vous n'avez pas même chose. Vous n'avez pas même chose. Il y a des gens qui ont été handicapés. Attends, on regarde ici, les gens. C'est bon. Président, je suis quoi, oui, malade au courrier de lui. Attends, je suis quoi, président? C'est bon. Une autre personne, Fanny Chemin. Alors, tu vois, avant, on va un choupeur. C'est bon. Voilà, on va faire un choupeur. C'est bon. Présidente. C'est le problème de l'espace. Espace pour les photos. Ouais. Espace de salle peut être plein. Tu peux prendre avec le mien là. C'est bon. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Les anciens trucs. Nous nous trouvons de l'autre côté du département, dans l'arrondissement de Fumbot, précisément à l'orphelinat où se poursuit la cérémonie de remise des dons par les femmes de la diaspora. Orphelinat, le bienfaiteur de Fumbot, ministère des Affaires sociales. Bien, j'ai attiré l'attention de mes très chères et valeureuses femmes. Je vous ai appelé également femme lionne de la diaspora Bamoun. Parce que si on n'est pas lion, on ne peut pas faire ce que vous êtes en train de faire. Pour commencer, ce n'est pas moi qui vais vous donner le nom de bienvenue. Mais ben, ce petit mot que je peux quand même dire est que vous êtes les bienvenus à l'orphelinat le bienvenant de Fumbot. Vous êtes également les bienvenus chez vous, où résident vos enfants que voici. Cette structure qui est l'orphelinat le bienfaiteur est structurée, est bien organisée. Vous avez là le promoteur, celui par le biais de qui Allah le Tout-Puissant a voulu implanter ici à Fumbot cet illustre orphelinat. Et voilà, au nom de Cheikh Ali Mbombo. Il est également un homme au grand cœur. Il ne peut pas travailler seul. Il a besoin des gens pour l'entourer. Et il ne travaille pas ici directement, puisqu'il a beaucoup de choses à faire dans tout le Cameroun.
Il a donc nommé pour ce centre, pour cet orphelinat, un directeur au nom de Cheikh Awan Sangou. Maman, vous voici. Il est à la tête de la structure. Mon humble personnalité, au nom de Abbas Djikam, je représente le secrétaire général. Vous avez là derrière l'intendant de l'orphelinat. Tout ce qui concerne la finance ou des stocks passe par lui. Nous avons également les membres de l'administration. Vous avez là les anglais. Nos doyens, ceux sur qui se base l'orphelinat, doyens en âge et en expérience. Nous avons ici M. Sangou Moussa et Nji Ibrahim Mouchingam. C'est grâce à eux que l'orphelinat vit, parce que si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Ils sont à la cuisine. Bien, et nous avons des superviseurs. Je connais Armiaou. Il est le chargé de la vie scolaire des enfants, des études. Bienvenue, les dames. Nous avons là également Cheikh Moaz Tali. Et à l'école, nous avons le directeur qui est là, en train de... Monsieur Moussa. Monsieur Moussa. Ah, d'accord. C'est le directeur de l'école. Et nous vous rappelons que... à cycle complet, là c'est le directeur. Et à votre gauche là, la dame, la maîtresse chargée de la classe de CP. Du cours préparatoire. Madame Nouriato. Qui est là devant vous. Madame Fanta, Madame Mbombo Fatima. Soyez la bienvenue. Merci. Comme l'a bien mentionné le secrétaire général du centre, vous êtes chez vous parce que les enfants qui sont là sont vos enfants, sont nos enfants. Sont les enfants qui manquent au moins un parent. Là, ça nous touche, puisque nous sommes aussi des parents. Donc vous êtes dans un milieu social pur. Vous êtes dans un milieu où vous ne vous êtes pas trompé d'y venir. C'est l'orphelinat. On encadre ces enfants qui ont perdu l'un des deux parents. Un encadrement total. Il y a l'hébergement. Nous avons les dortoirs. On a presque 5 dortoirs avec 3 qui sont occupés. Le grand dortoir qui est l'ancien qui a 100 enfants. Et les deux, chacun a 50 enfants. Ouais. Ça, ce sont les internes. Il y a les enfants externes de sexe féminin. Vous savez, l'encadrement de la jeune fille n'est pas comme pour le jeune garçon. Hein? C'est un peu compliqué. Donc, on a souhaité, le promoteur a donc vu qu'on puisse les encadrer dans leur propre famille. Donc, nous avons les structures d'appui, comme le secrétaire général a dit, de la maternelle jusqu'en terminale. Pourquoi structure d'appui? En deux volets. D'abord, le premier volet est que les enfants y fréquentent. On n'a pas besoin d'aller payer la scolarité ailleurs. Ils sont ici pris en charge directement dans leur scolarité. Et surtout que l'enseignement fait partie de l'objectif de l'orphelinat qui est l'éducation des enfants. Il faut que les gens donnent aux enfants comme éducation. Il y a donc le primaire et le secondaire. Donc,
l'encadrement, il y a scolaire, éducationnel, il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Ces enfants sont nourris 3 fois par jour, le matin avant de partir à l'école, et quand ils reviennent, et le dîner, presque à 19h30 ou 20h. Voilà. Donc, nous avons aussi une infirmerie, avec une infirmière à la tête, hein, chargée d'engagement sanitaire de nos enfants. Donc, pour dire que vous ne vous êtes pas trompé de destination, je crois que tout le monde le sait. Et même comme dit la religion, celui qui encadre les enfants, ce que c'est une preuve de la foi. C'est une preuve directe de la foi. C'est pour cela que nous ne connaissons quel mot utiliser pour vous dire merci. S'il y avait une expression meilleure que merci, on l'aurait utilisée. Donc merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Bien, je me relève. Après cette brillante exposée. Bon, en fait, bon, comme on a commencé à s'exprimer en français, donc nous on va continuer aussi en français. Comment dirais-je, merci. Merci de nous avoir accueillis et nous avoir installés. On a suivi vos mots de vos souhaits de la bienvenue. Bon, maintenant, qui sommes-nous? En fait, c'était dans le cadre de la femme Bamoun, parce que concernant le Ngwon qui se passe actuellement, le sultan roi de Bamoun a donc instauré le concept du carnaval de la femme Bamoun. Donc, le concept qui consiste à valoriser l'image de la femme Bamoun. Donc, d'où le slogan, c'est ce que nous sommes en train de dire, donc, pour dire que la femme Bamoun est digne, active, belle et décente. Donc, je pense que c'est ça. Non, et dès lors, on s'est dit qu'il fallait qu'on constitue, on rassemble toutes les femmes Bamoun pour pouvoir rehausser cette image de la femme Bamoun. Et là, on a eu à créer des antennes, des différentes antennes, parce qu'il y avait des antennes de Douala, antennes de Yaoundé et antennes de l'Ouest. Et nous, on s'est retrouvés dans l'antenne de la diaspora, les femmes Bamoun qui sont à l'extérieur. D'où je suis la présidente. Il y a une vice-présidente. Malheureusement, elle a eu des soucis en route avec sa voiture. Sinon, on devait être ensemble. On a eu aussi un petit bureau de secrétaire et certains membres actifs avec qui on travaillait, comme les Montmangi Bali de Gabon, qui nous a fait connaître l'orphelinat. Donc, il y a aussi eu les Naraïma. D'autres ne sont pas venus. Problème de santé, comme la secrétaire aussi, Viviane aussi. Donc, mais il y a une autre secrétaire qui est aussi arrivée ce matin. Elle est plutôt aux États-Unis. Mais elle voulait qu'on repousse, on ne pouvait pas. Et on lui a dit que non, c'était déjà trop juste. Mais elle est aussi en route pour arriver. Donc malheureusement, elle n'arrivera pas à temps. Donc, de ces faits, donc, on a décidé donc, de venir pour le carnaval de la femme Bamoun qui se passe, ça a même lieu demain. Demain. Pour venir aussi, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, il faudrait qu'on ramène au moins quelque chose, qu'on puisse faire même une action sociale dans notre département, notre nous natal, parce que c'est notre nous natal. Et c'est là où on a donc pensé à 2 actions, donc 2 domaines. On a pensé à l'époserie, on sort de là. Et après, comme vous ne savez pas que l'orphelinat existait, donc on s'est posé des questions. Il y a l'orphelinat ici à Foubout qui s'appelle le Bienfaiteur. Et directement, elle m'a mis, bon moi je dirais moi, puisque c'est moi qui ai contacté monsieur Mbombo, voilà. Donc en contact avec le chef, monsieur Mbombo. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de s'accorder. J'étais déjà là pour déjà voir la structure.
et j'ai fait des photos, j'ai envoyé dans le groupe parce qu'on a un groupe de presque 200 enfants qui sont un peu partout, donc de Gabon, de Bénin, de la Turquie, des États-Unis, des Royaumes-Unis, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de, donc toutes un les peu formes, de partout. Un peu de partout, la diaspora en général. Donc on s'est dit que bon, on n'avait pas grand-chose, mais le peu qu'on a, on va arriver ici pour pouvoir voir, ce sont nos enfants, nous sommes des mamans. Donc on ne peut pas être à l'extérieur et en apprenant qu'il y a une orphelinat ici, avec des enfants, qui sont nos enfants, sans venir faire quand même un geste ou bien les rendre visite en fait, pour les faire comprendre que nous sommes là, nous sommes leurs mamans, nous sommes à l'extérieur, on pense aussi à eux. Et donc c'est pour ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous sommes donc venus les voir pour les saluer, pour leur dire que nous sommes là, nous sommes ensemble. Donc, et en passant, je vais aussi vous remercier parce que c'est franchement un geste, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier parce que le nom, c'est tellement énorme. Parce qu'encadrer des orphelins, c'est vraiment quelque chose de, comment dirais-je, grandiose. Il n'y a pas de mots, comme monsieur disait, il n'y a pas de mots pour dire merci à cela. Donc, quand nous on arrive, on les voit, moi je dirais qu'ils sont bien encadrés. Parce que les trouver dans ce cadre, c'est très bien. Que de les voir dans la rue, peut-être sans chaussures, peut-être. Parce que aller donner des dons, on ne va pas marcher de rue en rue. Mais quand c'est déjà rassemblé, ça nous donne la force de venir les trouver déjà quelque part. Et c'est ce que vous avez fait. Et ça nous a aussi permis donc, de venir les retrouver dans un endroit vraiment en sachant qu'ils sont en sécurité et qu'on peut déjà faire quelque chose pour eux. Donc merci déjà pour ça. Donc bon, nous sommes là, c'est une délégation. D'autres n'ont pas réussi à être là, comme à faire le déplacement. Et je vais essayer donc de présenter. On nous appelle les Amazones. Les Amazones, c'est que les femmes Bamoun. On s'est dit les femmes Bamoun, les Amazones même. Aja aussi est une Amazone. Parce que en fait, dans un ménage, quand la femme tient bien son ménage, la maison est calme. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement que la femme, la maison, c'est la femme. La paix, c'est la femme. Quand la femme est en paix, la maison est en paix. C'est que femme veut Dieu. Donc, je me dis, c'est que femme Dieu veut. Femme veut Dieu veut. Donc, je commencerai par moi. Je suis Fatih Rana. Je suis la présidente de la diaspora, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Naraïma, elle est de Londres. Ma Suzanne, elle est de... Madame Descamps, je comprends. Madame Descamps, Annette, elle est en France. Elle est en France avec moi parce que moi je suis en France. La princesse Raviatou, elle est à Libreville, Gabon. Avec moi, je parle. Moi, je suis Thérèse. Elle est en Guinée équatoriale. Voilà, alors ma Suzanne maintenant. Ma Suzanne, elle est en Italie. Et Nanjimado, elle aussi à Libreville, au Gabon. Et Claudine, qui est aussi en Guinée équatoriale. Donc, c'est presque la diaspora. On a ramené. On a ramené 4 sacs de spaghettis de 5 kg. On a ramené 2 cartons de tomates concentrées. Donc dans chaque carton, il y en a 50. On a ramené 1 carton de sucre, donc de 5 x 5, je pense. Et on a ramené 1 carton de savon et on en trouve 60 morceaux. On a ramené 1 carton de lait, de boîte de lait pour les enfants, pour les petits déjeuners. Donc on en trouve 24. Boîte de lait, on a ramené un bidon de 20 litres d'huile d'arachide. Nous avons aussi ramené. Et maintenant, nous avons ramené des médicaments. Je ne sais pas si je peux. Nous avons ramené 2 boîtes et dans chaque boîte, on en a 1000. Donc, 2 boîtes de paracétamol. Nous avons ramené 2 bouteilles d'alcool pour tous les enfants qui se blessent. Nous avons aussi ramené, ça c'est des médicaments pour des vers, pour les enfants souvent.
Et dans chaque boîte, il y en a 50. On a ramené. Nous avons aussi ramené les compresses. Donc, les premiers mois, les premiers soins. Et nous avons aussi ramené les dosis pour désinfecter les instruments. Oh. J'ai essayé de filmer ce que nous on avait dans le cœur, tout ce que je parle au nom de toutes les femmes de la diaspora. Ok, donc merci vraiment pour l'accueil. Oreille, mais la communication de cœur est une communication la plus importante, la plus lucide. Vraiment. Nous disons encore merci. Tout ce que vous, c'est comme si vous avez été dans nos cœurs. Et comme si vous avez été aussi dans l'esprit des enfants. Je crois même en les regardant avec tout ça, vous voyez comment le visage est devenu. Ce n'est pas une petite chose comme vous venez de dire. Vraiment, c'est une très grande chose. C'est un élément important dans la construction de la vie des enfants. Vraiment. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Que Dieu ajoute, vous savez, Dieu est le plus généreux. Et quand tu donnes un, il donne sa part mille. Nous ne demandons pas mille, il donne milliers, milliards. Visite. Elles, puisque c'est des mamans, elles ne sont pas venues bras ballants. Elles ont pensé à vous parce qu'elles savent que vous mangez, que vous tombez souvent malade. Voilà pourquoi elles vous ont apporté ce valeureux paquet, très grand même. Bien, je crois que même s'il n'y a rien à dire, applaudissez quand même. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie et je prie Dieu qui vous en manque plus. Amen. Il n'est pas venu. Derrière, va, allez derrière, ceux qui viennent là. On vous a fait vous rester là-bas. Allez derrière. C'est des grandes choses. Et je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Vraiment,
ni toi qui es chez Ayam. Donc, après, ça me pousse chez Amena, ni Amena, ni Machimé, avant de voir ceci. Mazana, me yiva, bokumi. Avec un yébin, a cabine de nappe, une cajon, un car bank, bopum, better be tuna, be to a bin, j'en ai. Il va te mourir, parce Madame, va comme ça. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Au moment où vous avez été visité par les femmes de la diaspora de la carnaval à l'occasion des festivités de Ngwon 2018, quelles peuvent être vos impressions? Oui, mes impressions sont vraiment comment dirais-je quoi, c'est-à-dire je ne peux pas décrire le degré de satisfaction. Nous avons été honorés par cette visite inédite, visite par l'association des femmes Bamoun de la diaspora à l'occasion de ces édition 2018. Nous sommes vraiment très ravis et nous sommes très contents parce que cette visite constitue pour nous un comment dirais-je, un plus. Vous savez que quand on a deux enfants, trois enfants à la maison, ce n'est pas vraiment facile. Combien de fois vraiment encadrer 200 enfants sur place qui sont nourris et suivis sur place. Donc vraiment c'est un grand soulagement pour nous et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de d'accorder vraiment sa bénédiction et de bénir cette visite et de continuer à nous protéger pour la continuité de ce genre de bienfaisance. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué de plus sur la réaction de ces jeunes femmes? Vraiment, c'est l'entente, c'est la discipline, c'est l'esprit même de vivre ensemble. Parce que elles nous ont surpris et elles ont manifesté vraiment cet élan de vivre ensemble et cet élan d'amour surtout parce que j'ai senti que eux, dès leur arrivée ici à l'Ophéina, ils se sont sentis vraiment chez eux et même j'ai même constaté certains qui étaient en train de couler les larmes parce que elles sont surprises, elles ne savaient pas qu'il y avait un Ophéina de cette envergure dans le département du Nord, là où on encadre 200 enfants. Vraiment, j'ai senti que elles ont été très très touchées. Et elles ont même promis de revenir dans le plus proche avenir. Donc, puisque nous avons profité de l'occasion de Ngwon, et l'organisateur c'est celui-là que nous n'ignorons pas, un nom charismatique, Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, un message pour lui. Le message pour Sa Majesté, c'est que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à protéger le département du Nord, protéger Sa Majesté, lui accorder vraiment un sentier de fer. Parce que grâce à lui, le département du Nord
vit dans la paix. Et nous avons cet élan de vivre ensemble sous son impulsion. Nous ne faisons que prier Dieu pour lui, pour que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorde une longue vie, une longévité dans la paix, dans l'amour et dans le développement. Votre mot de... Ah oui, continuez. Votre mot de fin. Mon mot de fin est que nous souhaitons à ces valeureuses femmes de vraiment un séjour béni et que vraiment qu'ils rentrent dans leurs familles respectives saines et victorieuses. Et nous souhaitons aussi qu'ils reviennent dans les prochains jours avec vraiment ces genres de dons, parce que ces dons viennent changer la nature de la prise en charge de ces enfants. Ça change d'une manière vraiment satisfaisante. Merci beaucoup. Merci. Il faut se laver les mains. Comment est-ce qu'ils font leurs besoins? Est-ce que tout est propre? Parce qu'un enfant, en allant aux toilettes, peut ramener beaucoup de choses. Très important. Thank you.